Ah, mettez-les à mes pieds. Alors, c'est une authentique bouse d'or, c'est une vraie bouse. Séchée. Voilà, que vous pourrez. Donc, on vous la remet. Hein, et j'espère que vous en prendrez acte. C'est un beau trophée, vous pourrez le mettre sur la cheminée, c'est joli. Et donc, hier, avec les JA de Poitou-Charentes, on a décidé de vous décerner le prix de la bouse d'or. Voilà. Donc, depuis près de 5 ans. Mais Terra Lacta vend son lait à perte, hein, manque de rentabilité. Et donc, on sait très bien que les difficultés financières que vous avez à faire face, c'est pas d'aujourd'hui. Mais les producteurs ont besoin aussi, ont des difficultés financières. J'aimerais aussi vous remettre un deuxième trophée, qui est celui du bonnet d'âne. Alors, suffit. Bon, là, c'est pas un bonnet d'âne, mais c'est un bonnet de taureau. Voilà. Oh, vous êtes magnifique, monsieur Lebray, comme ça. C'est gentil. Voilà. Et c'est vrai que depuis 20 ans, on n'a renouvelé aucune entreprise. On n'a presque mis rien dans. On n'a rien mis, je veux dire, dans les entreprises pour les moderniser, pour rester avec des outils de production tels quels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils de production qui ne sont plus de notre âge. Enfin, si, du mien, quoi. Mais. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'on le mérite, cette bouse d'or, parce que, mine de rien, ça fait quand même 4 ans qu'on n'arrive plus du tout à vivre, hein, tout simplement que l'entreprise ne vit plus. Ça fait 2 ans que c'est même plus nous qui donnons les payes de lait, hein, c'est notre financier qui le fait. On aimerait doubler cette bouse d'or pour l'année prochaine. Disons que nous avons fait croire aux agriculteurs que nous ne serions pas une coopérative de collecte, alors que c'est faux. Voilà, et donc ça, là-dessus, on est fiers quand même de nous. Par exemple, au mois de janvier, nous avons promis que nous reviendrons à une paye à l'accord, hein, de la grille. Et c'est pas le cas non plus. Voilà, donc... C'est vrai que pour toutes ces choses-là, je pense que nous sommes vraiment fiers. Hein, c'est vraiment une congratulation pour nous.